Le Blanc Illumination a été créé par Michel Leblanc en 1958. Aujourd'hui, on est les fondateurs des Illuminations. On intervient à la fois sur le marché français, mais aussi à l'international. Vous êtes ici aujourd'hui sur le site du Mans, qui compte un peu moins d'une centaine de salariés. Cette entreprise mancelle comprend une usine de production, des bureaux, mais aussi une logistique. L'entreprise a un fort engagement à la fois sur la partie RSE 26000 mais ISO 9001. On a déployé la LED dans nos produits depuis 1996. Donc le débat ne date pas d'aujourd'hui. On est engagé en termes d'environnement, mais aussi sur la démarche d'éco-conception. Le sujet aujourd'hui, c'est comment éco-concevoir un produit. Il y a déjà plein de choses qui ont été faites dans l'entreprise depuis quelques années. On avait besoin de se structurer, d'avoir une méthodologie claire pour avancer sur cette démarche. Donc c'est pourquoi on a suivi une formation à la CCI du Mans. C'était une formation intra-entreprise, donc on retrouvait différents services, la production, on avait aussi le design, le bureau d'études. La formation d'éco-conception nous a permis de faire un état des lieux de ce qui avait été fait depuis quelques années dans l'entreprise. Ça nous a également permis d'aller plus loin et de savoir ce qui restait à faire vraiment pour aller au-delà et respecter tout le cycle de vie d'un produit, tant en respectant les matières premières que la partie recyclabilité des produits. Aujourd'hui, on est soumis à des normes qu'on doit respecter sur le marché, mais le Blanc Illumination, il faut être aussi aller au-delà. C'est prouver aux consommateurs qu'on est engagé dans cette filière environnementale.